Hello mga kaholy, mga kabayan. Kakain tayo ngayon ng ano? Paanang manok ang ulam natin. Yan. Paanang manok ang ulam ko. Nakabili ako ng paanang manok nung Friday sa Jerusalem. Yan. Lors de la sixième journée, c'est un petit peu décousu. Hein. Attention à cette fois, quand même, elle est déclenchée. On va avoir du mal. Je vais manger. À suivre ce qu'il se passe sur la pelouse. 5 minutes. La caméra, qui filme ce match-là. Reinaldo Rueda, le sélectionneur colombien, ça arrive bel et bien en bord pelouse. Il ne va pas voir ça depuis un hélicoptère. Il sera bien en bord pelouse. On va rester concentré. On va essayer de faire vivre ça au mieux. Et c'est vrai que le positionnement de caméra est assez douteux. Non. Ce stade, elle est parquée. Peut-être que c'est le plan de caméra. Récupéré par les Uruguayens. C'est Stéphane Medina. Hello, guys. Malinis man ito, mga kabayan. Ako ang naglinis nito. Tapos bago ko ni inano, nilakwaan ko muna. Tapos sinugasan uli. Kaya malinis. Inépuisable et inoxydable, Nathan Mendes. Et en début de saison, un petit peu compliqué. Cagliari, on parlera, mais c'est lui qui prend son pouvoir, lui qui est venu d'ordinaire jouer à tous les postes. Nathan Mendes. Mais en sélection, c'est vrai que Oscar Tabarez s'en sert comme d'un latéral ultra puissant qui fait parler sa VMA. Notamment, il a dit d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match, puisque c'est lui qui s'est présenté. Avec le sélectionneur Tabarez, il a parlé de son positionnement, il n'a absolument aucun état d'âme. Est-ce qu'on est mal? On est partout. Je suis affirmé qu'il s'habituait à ce poste de latéral droit. C'est vrai qu'il avait été excellent, notamment face à la Colombie. Malambot na po yung ano? 4-2 en match en retard de la 6ème journée. Ces éliminatoires. Lutter en revanche derrière contre l'Équateur, mais ça a été une série compliquée. Hein. Il y a eu le Pérou aussi. Ces rassemblements qui pondent beaucoup d'énergie de ces joueurs. Outre la distance, il y a également. Il a gagné pour un Chili. De la Wang Malakin Chili. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Pas des moindres en plus. La Colombie, l'Argentine et le Brésil. C'est vraiment le rassemblement peut-être le plus important. Des Uruguayens, même si Nathan Mendes, justement, en conférence de presse, a bien évacué les questions de nos confrères sud-américains, notamment les Uruguayens, sur cet enchaînement de matchs. Hein. Ce qui explique aussi le fait qu'Edinson Cavani soit sur le banc dans ce match-là. C'est rarissime. On a Edinson Cavani sur le banc. Cuadrado a trop cherché la faute. Selon l'arbitre, attention à ce jeu à deux, la frappe de Real Rodriguez, on met beaucoup de rythme. Shout out sa mga batchmate ko 2001 kay Pastor Albert si Lidyo Conoy.
Saka Pastor Michael Quis, ano? Michael. Pilit Cano. Na nasa Qatar. Shout out. Marami akong nabiling paanang manok. Nilagay ko sa freezer.
Fala Celeste. Tapos na tayong kumain, mga kabayan. Sa wala pa naka-subscribe, pwede ako subscribe, then click the notification bell, then select all para ma-update mo sa video na ako i-upload. Bye! Thank you for watching. Pagkatapos nating kumain, mga kahuli, inom tayo ng soya milk. Good for you. Alpro. Basa. Plant-based pack with protein. Ito lang nabasa ko, guys. Don't forget to subscribe. Thank you.